Chères sœurs, chers frères, chers amis, nous vous souhaitons la bienvenue sur le web Jama de Aïssa ONG, qui a le plaisir de recevoir ce soir Nourdine Guessoum pour nous présenter l'exégèse de la 103e sourate du Coran, Al-Asr. Le commentaire de Nourdine Guessoum s'appuiera sur une exégèse effectuée par le Cheikh Al-Halawi, fondateur de la confrérie Soufi Alaouia. Nourdine est membre de cette confrérie et il est le représentant du Cheikh Khaled Bentounes pour la région parisienne. Il est de formation d'ingénieur en génie civil et il fait partie de l'équipe de recherche sur le Coran et le Hadith de Aïssa depuis plusieurs années. Cher Nourdine, la parole est à vous. Bismillahirrahmanirrahim. Bonjour à tous et bienvenue dans ce web jama. Aujourd'hui, on va parler de Sourate Al-Asr. Sourate Al-Asr fait partie des sourates coraniques que les musulmans apprennent par cœur dès leur jeune âge, au même titre que Sourate Al-Fatiha, Sourate Al-Nas, Sourate Al-Falaq, Sourate Al-Ikhlas, l'ouverture, les âmes, l'éclat, l'unicité ou la sincérité. Toutes ces sourates et beaucoup d'autres ont bercé notre enfance. Ils ont structuré notre imagination. Elles ont fait la fierté de nos parents quand ils nous entendaient les réciter. Ces sourates font partie de l'identité collective des musulmans, surtout en terre musulmane. Elles font partie de notre identité. Elles ont forgé nos personnalités d'hommes, de femmes musulmanes. On a donc appris ces sourates et elles restent gravées à jamais dans nos mémoires. Et on n'est pas prêt de les effacer de nos mémoires. On peut les oublier un moment. Mais elles se rappellent à nous. Elles se rappellent à nous dans des moments difficiles, cas de chagrin, de difficultés, de deuil, en cas de vœux de réussite, au bac, au brevet par exemple. On les récite lorsqu'on n'a plus d'autre refuge que celui de la parole divine. Et la plupart du temps, Allah subhanahu wa ta'ala nous répond, d'une façon ou d'une autre, pourvu qu'on soit à l'écoute de sa réponse. Bref, on aime ces sourates. Elles font partie de nous, elles font partie de notre histoire individuelle, de notre histoire collective. On a un lien fusionnel avec ces sourates. Nous allons parler donc de Sourate Al-Asr à la lumière du commentaire qu'on a fait le Cheikh Al-Halawi radiyallahu ta'ala anhu. Nous allons interroger ce commentaire. Nous allons essayer de le comprendre, d'en goûter la saveur. Mais avant tout, avant cela, parlons un peu de cette sourate. C'est une sourate courte. Elle comporte trois versets faciles à retenir, du moins, surtout pour les arabisants. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri. Inna l'insana lafi khusr. Illa alladhina amanu wa amilu salihati. Wa tawasaw bil haqqi. Wa tawasaw bil sabr. Alors, je vais prendre la traduction qu'on a fait Jacques Berck, mais comme vous savez, il y en a d'autres. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, par le temps. Donc, Jacques Berck va traduire l'Asr par le temps. On verra plus loin qu'il y a d'autres interprétations de ce terme. L'homme est en perdition. Inna l'insana lafi khusr. Perdition, dégénérescence, corruption, on peut dire, dans le sens de dégénérescence. Exception faite de ceux qui croient. Illalladhina amanu. Ou exception faite de ceux qui ont cru.
se conseillent mutuellement le bien, se conseillent mutuellement la patience. Cette sourate est mécoise, c'est-à-dire qu'elle a été révélée au prophète sallallahu alayhi wa sallam à la Mecque. On peut dire aussi qu'elle a été révélée à l'époque mécoise, c'est-à-dire avant l'Hégire, avant l'émigration du prophète sallallahu alayhi wa sallam vers Médine. Que le prophète se trouvait à la Mecque ou ailleurs, en tout cas avant l'année 620, donc l'année de l'émigration. Il faut signaler que quelques traditionalistes ont considéré que cette sourate est médinoise, tels que Mujahid, Qatada, Muqatil aussi a considéré qu'elle était médinoise, mais on va plutôt se ranger derrière les commentateurs qui soutiennent que cette sourate est mécoise. Pourquoi? Ben parce que c'est la majorité. Parce que c'est une sourate courte, au même titre que les sourates, la majorité des sourates mécoises. Elle commence par un serment, ce qui est le cas aussi des sourates mécoises. Elle a une forme, disons, rhétorique, qui laisse croire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a récité à sa communauté, à sa tribu, pour attirer leur attention, pour les convaincre, pour les inciter à le suivre, à se joindre à lui, à adhérer à son message. Donc, sourate Al-'Asr est composée de trois versets. Elle n'a pas de circonstances de révélation connues, comme par exemple la révélation répond à des questionnements, commente certains faits, certains événements de la vie du prophète et de sa communauté naissance, c'est des circonstances de révélation. Sourate Al-'Asr, en l'occurrence, là, n'a pas de circonstances de révélation connues. Et pourtant, certains commentateurs disent que cette sourate a été révélée pour affermir la foi des tout premiers musulmans qui étaient harcelés, qui étaient rejetés par des Qurayshites forts et dominant la cité. Ceci peut être considéré comme une circonstance de révélation. Et cette circonstance peut se comprendre, puisque la sourate insiste sur la croyance, incite à la solidarité, incite à la patience. Voilà, sourate Al-'Asr est classée 103e dans la Vulgate othmanienne. Elle est classée après sourate Takathur, Al-Hakum Takathur, la reproduction ou la rivalité selon les traducteurs. Et avant sourate Al-Humaza, la calomnie. Wailun li kulli humazatin lumaza. Par contre, elle est classée 13e si on considère la chronologie de la révélation coranique. Elle a été révélée au prophète sallallahu alayhi wa sallam après sourate Al-Mushrah laka sadrak et avant sourate Al-Adiyat. Al-Mushrah laka sadrak, l'ouverture, Al-Adiyat dhabhan, sourate qui s'intitule Les coursiers en traduction française. L'Asr, donc, sourate concise, très profonde, au point que l'imam Shafi'i aurait dit, s'il n'y avait eu que cette sourate pour révélation, elle aurait suffi aux croyants. On raconte aussi que quelques compagnons ne se séparaient pas avant de réciter cette sourate. Ce qu'on peut entrevoir ici, c'est que ses compagnons qui la récitaient étaient minoritaires, étaient harcelés. Ils se donnaient courage en récitant cette sourate, ils se donnaient courage à tenir à leur foi face à leurs détracteurs, à leurs adversaires. On comprendra donc que cela pouvait être le début du message de l'islam. On va s'intéresser maintenant au terme al-asr. Que signifie al-asr?
On a vu que Jacques Berck l'a traduit par le temps. On verra que ce n'est pas le cas de tous les traducteurs, mais voyons déjà ce que disent les exégètes et commentateurs musulmans. La première signification qui vient à l'esprit du musulman, c'est laquelle? C'est Sourate l'Asr. C'est la prière du Asr, n'est-ce pas? La prière du milieu de l'après-midi. Aïcha, l'épouse du prophète, alayhi salatu wassalam, lisait le verset de la vache, Sourate al-Baqara, Hafidou al-Salati wa-Salati al-Wusta, soyez assidus aux prières et à la prière du milieu, elle ajoutait Salat al-Asr, c'est-à-dire qu'elle récitait Hafidou al-Salati wa-Salati al-Wusta, Salat al-Asr, la prière de l'après-midi. Les exégètes ont considéré que cet ajout de Aïcha n'est pas une lecture, mais une explication de la part du prophète de ce qu'est la prière du milieu. Donc ce n'est pas une lecture, mais une explication. On verra dans d'autres occasions, dans les sciences coraniques, si Dieu le veut, ce que veut dire qu'une lecture et ce que veut dire qu'une récitation, etc. Donc, à part la compréhension que le terme al-asr dans le verset coranique, c'est la prière du asr, d'autres commentateurs ont donné différentes significations à ce terme, à savoir le temps, al-waqt, l'éternité, al-dahr, l'époque, al-zaman, al-asr. Il y en a même qui ont rapproché ce terme au fait d'extraire, d'essorer, qui vient du verbe asara, asara shay, ça veut dire il l'a essoré, essorer ou extraire, faire un jus d'orange par exemple, c'est essorer, c'est extraire, mais cette explication, ce commentaire, cette signification s'accorde très peu avec le contexte de la sourate. Maintenant, voyons du côté des traducteurs et orientalistes. On va trouver le terme de le temps chez Jacques Berck, comme on l'a vu, chez le docteur Hamidullah, chez Malik Chbel aussi. André Chouraki aussi prend comme traduction le temps. Et on va trouver le terme l'époque chez le cheikh Hamza Boubakar. Cheikh Hamza Boubakar, c'est le fils de Dalil Boubakar, qui était le recteur de la mosquée de Paris, et qui était lui-même recteur de la mosquée de Paris, après Siqadour Ben Rabrit, le premier recteur. Donc il traduit le terme al-Asr par l'époque. C'est plus pertinent parce qu'on dit bien al-Asr al-Jahili, al-Asr al-Abbasi, al-Asr al-Amawi, al-Asr al-Nahda. Donc, l'époque, on peut parler de l'époque des Lumières, donc l'Asr, c'est une époque, c'est un temps plus long, plus étendu d'une époque, quoi. Mais le Coran Karim n'a pas dit l'Asr, l'époque de quoi? Mais l'époque, l'Asr, ce n'est pas limité, alors que l'époque est limitée. Enfin, on va trouver le terme le destin, c'est Régis Blacher. Le destin, c'est le qadr. Et on va trouver le terme l'instant chez Denise Masson. L'instant, elle précise que c'est l'instant dans sa dimension éternelle. Alors, qu'est-ce qu'on va adopter? On va adopter ce que le Cheikh Al-Alaoui a validé comme explication du terme al-Asr. C'est celle que donne le compagnon du prophète, Abdullah ibn Abbas, radiallahu anhuma. Abdullah ibn Abbas est considéré comme étant le père de l'exégèse coranique. C'est un cousin, c'est le cousin du prophète. C'est le fils de Abbas qui est Ammar Rasoul, qui est le cousin du prophète, qui est l'oncle, pardon, du prophète. Abdullah ibn Abbas dit que le terme al-Asr signifie ad-dahr. Alors, dahr, pour le traduire, on peut dire que c'est l'éternité
où c'est le temps dans sa dimension éternelle. Voilà la signification qu'a validé le Cheikh Al-Alawi, radiallahu anhu. Je cite le Cheikh, Al-Asr, qui a servi de serment, a été commenté par divers exégètes, dit le Cheikh. Et ce qui serait le plus concordant dans ce cas, c'est le terme Ad-Dahr, l'éternité, pour la traduire, suivant la citation d'Ibn Abbas, qu'Allah bénisse leurs âmes. Voilà ce que dit le Cheikh. Cela nous amène donc à commencer à parler du commentaire qu'a fait le Cheikh Al-Alawi de cette sourate. Alors, quelles sont les circonstances de ce commentaire? Le Cheikh Al-Alawi a fait le commentaire de la sourate pour répondre favorablement à la demande d'une de ses connaissances. Le Cheikh devait apprécier cette personne puisqu'il dit que cette personne était pieuse et de bonne foi. Le Cheikh n'a pas précisé ni le nom ni le statut de cette personne. On peut retrouver ces informations dans la lettre numéro 25 de l'ouvrage du Cheikh, Adab al-Manahil fi al-Ajwiba wa al-Rasa'il, titre que l'on peut traduire par les plus douces ressources dans la correspondance ou dans les correspondances du Cheikh. Cette lettre a été éditée deux fois du vivant du Cheikh Al-Alawi, la première fois à Tunis, et elle a eu un tel succès que elle a été rééditée une deuxième fois, édition dans laquelle le Cheikh a apporté quelques modifications, quelques rajouts, sans pour autant compromettre le caractère succinct de l'ouvrage. En fait, c'est un petit livret d'une dizaine de pages, et son titre c'est Miftah Ulum Sir fi Tafsir Surat Wal Asr. Titre qu'on peut traduire par La clé des sciences subtiles dans les commentaires de Surat Al Asr. Il y a eu depuis une troisième édition, cette fois dans un recueil, qui a regroupé trois petits livrets qui elles-mêmes étaient des lettres du Cheikh, des correspondances du Cheikh. Donc ce recueil a eu pour titre Minhal al-Irfan fi tafsir al-Basmala wa Sour min al-Qur'an. Voilà, il donnait des titres comme ça d'ouvrages très éloquents. Ce titre, on va le traduire par les ressources de la connaissance concernant le commentaire de la Basmala. La Basmala, c'est la formule d'ouverture, et quelques chapitres coraniques. Donc ce recueil a regroupé trois petits livrets, comme j'ai dit, qui sont le modèle exclusif de l'authentique unicité, Al-Mawj al-Farid al-Mushir li Khalsa al-Tawhid, pour le premier. Le deuxième livret, c'était Loubab al-Ilm fi Tafsir Sourat al-Najm, l'essence des sciences dans le commentaire de Sourat l'Étoile. Et enfin, le Sourat al-Asr, c'est-à-dire Miftah ulum sir fi Tafsir Sourat al-Asr. Donc ces trois petits livrets ont été regroupés dans Minhal al-Irfan fi Tafsir al-Basmala wa Suwar min al-Qur'an. Voilà pour ce qui est de cet historique de cet ouvrage du Cheikh. Passons maintenant au commentaire de ce contenu de ce commentaire, pardon. Essayons de comprendre ce que les versets nous révèlent, ce qu'elles nous transmettent comme message, comme enseignement. Allah, tabaraka wa ta'ala, fait le serment par le temps. Par le temps dans lequel l'humanité est installée. Allah, tabaraka wa ta'ala, a fait des serments dans d'autres sourates par la nuit, ou l'ayli ida irsha, par le soleil, la lune, ou shamsi uduhaha, ou kamari ida telaha, par l'aube, ou l'fajri, ou l'ayalin ashr. Tous ces serments nous incitent à porter un regard méditatif, un regard profond, vaste, infini, sur la création de Dieu. Tous ces serments nous rappellent le temps. Plus précisément, nous rappellent l'expression du temps.
Le temps, engendré par le mouvement des planètes, on y entrevoit les cycles de la vie, de la mort, qui se succèdent, ou la vie qui engendre la mort, et cette même mort qui nourrit et engendre la vie. La mesure du temps n'est pas le temps. Jour, heure, siècle, année, etc. sont des mesures du temps, mais elles ne sont pas le temps. La mesure du temps est une convention humaine. Elle est pratique à l'humanité, utile pour s'organiser, pour se repérer, prendre des rendez-vous, se projeter dans l'avenir, etc. Mais alors, qu'est-ce que le temps? C'est la plus mystérieuse des créatures, nous dit le shir. Et ce qui fait son mystère, c'est ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit: N'injuriez pas le temps, l'éternité, ad-dahr, car l'éternité, c'est Allah. La tasubbu ad-dahra, fa inna ad-dahra huwa Allah. Ce hadith, nous dit le shir, ajoute au mystère du temps. Et nous restons perplexes et notre compréhension ne peut cerner ce qui est éternel et infini. Dans un autre hadith, Aïcha nous informe que le prophète sallallahu alayhi wa sallam récitait la sourate en disant: Wal asri wa nawa'ib ad-dahr. Par le temps et par ses aléas, on peut dire, ou par ses calamités, ou par ce qui s'y cache. Nawa'ib ad-dahr, c'est ce qui se cache dans le temps, c'est ce qui va nous apporter. Le shir précise aussi que cet ajout n'est pas considéré comme une lecture, comme on a vu pour Hafidhu al-Salat ou Salat al-Usta, mais comme une explication que le prophète donnait au terme l'asr. On comprend donc que dans le hadith, ce n'est pas le temps que les gens injurient, mais ce qui s'y passe. L'asri, wa nawa'ib ad-dahr, ce qui s'y passe. La tasubbu ad-dahra, fa inna ad-dahra huwa Allah. Le temps est donc matérialisé par les événements qui s'y déroulent, qui s'y passent. En fait, le temps est une réalité subjective, c'est une réalité conventionnelle, une réalité partagée, une réalité engendrée par le faire, par le mouvement. En réalité, les événements se passent toujours dans une éternité, dans un éternel présent. Je cite le shir. Ce que l'on connaît du temps n'est pas privé de cette lumière de la présence, infinie, continue et éternelle. Puis le shir pose la question en disant: Et au regard de ce perpétuel flux de présence, qui n'a ni début ni fin, notre conscience du temps n'est-elle pas en fait la conscience de cette essence éternelle? Voilà ce que nous dit le shir. En réalité, ce qui rend, pardon, cette éternité mouvante, fluide et insaisissable, ce ne sont pas les événements qui s'y déroulent, mais c'est plutôt notre identification à ces événements. Si on s'arrêtait quelques minutes, si on y prend conscience, on est totalement présent. Si on se détache de nos actions, si on les attribue à leur créateur, alors on sera présent. Alors l'éternité nous enveloppera, elle nous saisira, elle nous figera, elle nous englobera. Sauf que nous sommes toujours vaincus par le faire. Plus précisément, par nos identifications aux actions, au faire. Et c'est là qu'on crée le temps. On crée l'illusion du temps. On est vaincu par le faire,
par le fait qu'on tire notre identité, notre essence du fer. Je cite le Shir. En tout cas, le mystère est absolument lié à l'éternité. Pas seulement vis-à-vis de son nom, mais de son essence, ni de ces événements qui s'y déroulent. Dis ce qu'il te plaira, dit le Shir, mais le mystère de l'éternel est essentiel. Essentiel ici, c'est-à-dire faisant partie de son essence. Voilà ce que nous dit le Shir Ridwanullah Ali. Qu'est-ce qu'on doit comprendre? Si on doit comprendre quelque chose, c'est que l'éternel ne se pense pas. Parce que penser, c'est un faire. L'éternel n'entre pas dans les cases de nos découpages conceptuels. Autrement dit, la raison ne peut pas atteindre l'éternel. Parce que la raison est en rapport avec ce qui est objectif, avec ce qui est sensible, avec les concepts créés par la pensée. La raison découpe la réalité, elle la dissèque pour la rendre plus simple à saisir. Mais l'éternel est un tout infini. L'éternel nous enveloppe. Nous pouvons en faire l'expérience. Nous pouvons le ressentir, le savourer. Nous pouvons l'aimer. Nous pouvons nous y fendre. Nous pouvons nous y confondre. Nous pouvons l'expérimenter sans jamais l'expliquer. Parce que expliquer, c'est déplier, c'est déployer. Déployer, déplier ce qui est mesurable. Or, comment peut-on mesurer l'éternel? Voilà. On revient au serment d'Allah tabaraka wa ta'ala par le temps, par l'époque ou par l'instant, comme on veut. La lettre waw dans wal-asri en arabe est une conjonction de serment, harf qasam. Elle est là pour attirer l'attention de l'assistance, du public, de l'auditoire, pour insister sur l'importance du discours qui va suivre, pour faire savoir que ce qui va être révélé est d'une extrême importance, pour que l'orateur soit écouté. C'est la même chose pour Inna, Inna l'insana lafi khusr, Inna harf tawkid. Inna harf tawkid, c'est une conjonction de serment, attirer l'attention sur un fait important. C'est quoi ce fait? La perdition. Inna l'insana lafi khusr. La perdition de l'humanité. L'altération, la dissolution, la perdition. Tout ce qui existe existe un bref instant. Tout ce qui existe est en réalité dans le devenir. Tout sera déjà dépassé. Avant la fin de l'affirmation, cela existe. On est donc dans un perpétuel devenir. Les cellules, les atomes qui forment l'univers, tout cela est en perpétuel devenir, en perpétuel changement, aussi petit, aussi infinitésimal que soit ce changement. Mais le vrai est toujours vrai. Or, le monde est changeant seconde après seconde. Walillahi ghaibu samawati wal ardi wa ilayhi yurja'u al-amru kulluhu. Fa'budhu wa tawakkal alayhi wa ma rabbuka bighafilin amma ta'malun. À Allah appartient le mystère des cieux et de la terre. C'est à lui que revient l'ordre tout entier. Adore-le donc, place ta confiance en lui. Ton Seigneur n'est pas inattentif. On peut dire qu'il est présent à ce que vous faites. Sourate Hud.
Parler de l'altération ou de la perdition, c'est parler de l'effet de ce devenir sur les choses, sur les êtres. L'humanité est dans une perpétuelle dégradation. L'homme, les êtres en tant qu'objets sensibles, tendent seconde après seconde vers la perte, l'anéantissement, vers la mort. Innal insana la fi khusr. C'est ça, innal insana fi khusr. Et pourquoi? Plutôt, à quoi bon? Voici ce que nous répond le shir. Ben, je précise que c'est une traduction adaptée, synthétisée, parce que sinon on va passer 3 heures ensemble. Donc, c'est vraiment une synthèse. J'ai essayé de choisir les passages les plus pertinents, mais tout est pertinent dans ce livre. Mais il a fallu choisir. Voilà ce que dit le shir. L'origine du sentiment de perdition. Remarquons là que le shir ne parle pas de perdition, de khosr. Il parle de sentiment de perdition. Il parle d'un sentiment, d'une impression de dégénérescence qui habite l'être humain. C'est quoi cette origine-là? Le shir nous dit que c'est son ignorance, son amnésie de sa véritable nature, son amnésie de sa véritable essence. Et l'être humain n'est pas prêt à retrouver la conscience de sa véritable nature tant qu'il reste dans cette ignorance de ce qu'est l'origine de son âme, avant qu'elle n'ait habité ce corps, cette enveloppe charnelle. Et comment peut-il prendre conscience de sa véritable nature tant qu'il s'identifie à son corps? Voilà ce que nous dit Shir. Tant qu'il est convaincu qu'il est le corps, qu'il est ses sensations, ses perceptions, son corps, tant qu'il est prisonnier dans ses passions, tant qu'il est asservi à ses désirs, tant qu'il est asservi par ses peurs, c'est cet état d'asservissement qui l'éloigne de son bonheur éternel. L'âme humaine, dit le shir, était dans une félicité originelle. L'âme humaine était en lien direct avec le divin. Et elle n'a pas perdu ce lien au moment de sa descente, au moment où elle a incarné le premier corps charnel, celui du prophète Adam alayhi salam, puisqu'Allah tabaraka wa ta'ala l'a doté de conscience, d'intelligence, de science. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. Il a enseigné à Adam tous les noms. Allah Ta'ala a fait même prosterner les anges à cet être humain. Mais l'homme a perdu sa propre trace. Il a oublié d'où il vient parce qu'il a plongé dans sa condition animale, dans sa condition biologique. Il s'est complètement identifié à ses sens. Nous pouvons donc considérer qu'il y a deux êtres, l'être divin et l'être sensible, ou on peut dire l'être animal. Le premier, c'est-à-dire l'être divin, a été créé par Allah, subhanahu wa ta'ala. Et c'est le sens du hadith, Dieu a créé l'homme à son image. خلق الله آدم على صورته. Le second, c'est-à-dire l'être sensible ou animal, est formé. Il est mis en forme. Donc, la création précède la mise en forme. ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا. Nous vous avons créé. Puis nous vous avons donné forme. Ensuite, nous avons dit aux anges, prosternez-vous devant Adam. Et ils l'ont fait. Le but n'est pas de rester une humanité soumise à sa condition animale. L'insan, l'hayawani, comme l'appelle le shir. Le but est de devenir ou de revenir
à son état originel, à son état d'être divin. Pour cela, pour sortir de cet état d'ignorance, pour sortir de sa souffrance, il faut se rappeler son origine. Faut se rappeler son origine avant que notre âme ait habité ce corps. Pour en arriver là, pour atteindre ce but ultime, pour cela, il nous faut un indicateur. Un indicateur qui a le pouvoir de nous sortir de notre ignorance. Et le shir cite le verset 33 de Sourate le Miséricordieux, Sourate Ar-Rahman. Ya ma'shar al-jinni wal-insi, in istata'tum an tanfudhu min aqtari as-samawati wal-ardi, fanfudhu la tanfudhuna illa bi sultan. Ô peuple des djinns et des hommes, si vous pouvez évoluer à travers les espaces des cieux et de la terre, faites-le. Mais vous ne le traverserez qu'avec l'aide d'une autorité. La tanfuduna illa bi sultan. Sultan, c'est une autorité. Et c'est cette autorité qui va nous faire traverser les cieux et la terre. C'est cette autorité qui va nous installer dans l'éternité d'Allah tabaraka wa ta'ala. Cette autorité, c'est qui? C'est le shir. Ce sont les mashayikh. Et le tout premier shir, c'est qui? C'est Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Voilà l'idée, voilà la compréhension de cette partie du texte du shir. On peut vraiment dire radiyallahu ta'ala anhu. Alors pour celles et ceux qui s'engagent dans la voie de Dieu, pour celles et ceux qui ont pour but, pardon, d'atteindre le sublime, le bonheur, la félicité éternelle, faudra commencer par le début. Le début, c'est dans la suite du verset. Le début, illalladhina amanu, sauf ceux qui ont cru. La foi, c'est l'attachement à Allah, c'est un attachement à Dieu, à l'absolu. C'est ça la foi. C'est le cheminement, c'est un chemin vers Allah, tabaraka wa ta'ala, pour justement que l'inconnu devienne connu, pour qu'il devienne aimé. La foi, c'est établir un lien avec le divin. Établir un lien parce qu'il nous a été légué par le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et par la transmission des mashayikh depuis le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, par la tradition mohammedienne, dans un rapport libre, dans un rapport libre, dans un rapport vertical à Allah, tabaraka wa ta'ala. C'est ça l'amour de Dieu. C'est ça la présence au divin. Malheureusement, l'homme a été asservi à sa condition animale. Il a été asservi à ses désirs, à la consommation, au plaisir. La servitude à la consommation, c'est le système, c'est le but du système économique qui gère le monde aujourd'hui. Plus de richesses créées, plus de richesses, plus de croissance économique. Une croissance économique qui a dépourvu beaucoup d'hommes de leur humanité, au point qu'ils sont capables de tuer, déclencher des guerres, pour que la croissance économique ne s'arrête pas. On a asservi l'homme à la raison. La raison à son domaine. La raison a fait, bien sûr, et continue de faire des choses formidables pour le bien-être des hommes, pour le confort, dans tous les domaines. Le domaine de la raison, c'est l'objectif, c'est le sensible, c'est le fini. Mais il y a un autre domaine où la raison n'a pas encore accès. Et on se demande si elle aura accès un jour. C'est le domaine de l'infini divin. C'est le domaine du divin. C'est le domaine de l'instinct, de notre condition primordiale. Le domaine de l'intuition, de la
proximité au divin. C'est le domaine de l'ouverture des cœurs aux lumières du divin. Depuis la nuit des temps, des philosophes, des religieux, des prophètes, des sages ont écrit, ont légué des vertus, ils ont enseigné une morale, une éthique de vie qui serait, on ne peut plus, utile à l'homme aujourd'hui. Ils ont atteint de hauts degrés de sagesse, de réalisation et de sérénité, des hauts degrés de sagesse et de lien avec le divin. Passons maintenant au verset coranique numéro 3. Illa alladhina amanu wa amilu salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sauf ceux qui croient, effectuent les œuvres salutaires, se conseillent mutuellement le bien, se conseillent mutuellement la patience. Voici ce que nous dit le Cheikh Al-Alawi à propos de ce troisième verset. L'absolution de l'être humain ne survient que si les quatre vertus citées dans le verset sont réalisées, nous dit le Cheikh, c'est-à-dire la foi en Dieu, les œuvres bonnes, la recommandation à la recherche de la vérité, la recommandation à la patience dans cette recherche. Et le Cheikh continue, si l'homme n'a pas la foi en Dieu, ou perd la foi en Dieu, il a subi une grande perte. Une telle perte qui lui fera dire, le jour où il verra la félicité et le bonheur des gens heureux, Ya leitani kuntu turaba, comme j'aurais aimé être poussière. C'est un verset de sourate Amma yatasaaloun, sourate An-Naba. Mais, dit le Shir, s'il a eu la chance d'avoir cette foi en Dieu et en son envoyé, sallallahu alayhi wa sallam, il a acquis avec cela la base dans la voie de son bonheur. Mais ses pas ne peuvent s'affermir dans ce domaine que par la pratique des bonnes œuvres, dit le Shir. Voilà ce que nous dit le Shir. Ce couplet marche ensemble. Alladhina amanu wa amilu salihati. Ce couplet est cité 51 fois dans le Coran. Alladhina amanu, ils ont cru, la verticalité. Et l'horizontalité, c'est amilu salihat, œuvre pour le bien. Ces deux vertus ne se dissocient pas. Les deux sont intrinsèquement liés. La verticalité est dans l'horizontalité. Elle y est intrinsèquement dissimulée. Elle est latente, subtilement et secrètement scellée. Et c'est à travers l'horizontalité que le truchement de la présence divine commence à s'éclaircir, commence à rayonner, pourvu que les bonnes œuvres soient sincères, pourvu qu'elles ne soient pas orientées vers l'ego, non aussi orientées vers la recherche de la gloire, de la reconnaissance ou toute autre gratification, y compris la gratification spirituelle. Donc, on ne sort de la corruption, on ne sort de la dégénérescence que lorsqu'on associe le vertical et l'horizontal. Le verset coranique a laissé ses bonnes œuvres ouvertes pour que les hommes les adaptent à leur temps, justement, à l'asr. Le champ des bonnes œuvres est très vaste. Le terme, pour moi, salah ou salihat, sont toutes les œuvres d'utilité générale. On peut dire d'utilité publique. Donc le croyant est citoyen, utile à la société, à la cité. Il est utile à ses concitoyens. Il est au service de la communauté. Il est utile à sa famille, son quartier, son travail, dans sa ville, etc. Voilà ce que nous dit le Cheikh Al-Alawi ensuite. Il dit, les bonnes œuvres
où les bonnes actions, où les actions utiles englobent tout acte louable et écartent tout acte blâmable. Et c'est le plus haut degré de conduite pour atteindre le bonheur. Sauf que la pérennité de ces actes n'est atteinte, dit le shir, que par l'encouragement mutuel à rechercher la vérité ou la conformité. On peut la traduire aussi les conseils mutuels à la recherche de la rectitude. Car celui qui n'encourage pas à la recherche de la vérité ne s'établit que rarement dans le chemin du vrai, nous dit Shir. Celui qui n'encourage pas à la rectitude et déconseille les actes blâmables risque lui-même de ne plus entendre les conseils de ses semblables à exécuter le bien et à éviter le mal. Et le Shir continue, prêcher le bien et déconseiller le mal risque d'attirer à leurs auteurs des ennuis. Pour cela, Allah, subhanahu wa ta'ala, les a reliés à la recommandation de l'endurance, à sabr. Nous avons une conduite, dit le shir, dans les paroles du prophète Luqman à son fils. Ya bunayya, ba'da bismillahirrahmanirrahim, ya bunayya, aqimi s-salata wa'mur bil ma'rufi, wanha 'anil munkari. واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. Ô mon fils, tâche d'ériger la prière, la salat. En réalité, je n'ai jamais, enfin, je n'adhère pas à la traduction de la prière par la prière de la salat. La salat, ce n'est pas la prière. La salat, c'est une sila, c'est un lien entre Allah subhanahu wa ta'ala et celui qui pratique. C'est ce lien-là. Donc, ô mon fils, tâche d'ériger la prière, on va la laisser comme ça, encourage le bien et déconseille le mal. Sois endurant face à l'adversité, car ceci est la grandeur de la constance. Inna dhalika min azmi l'umur. Le cheikh l'Alaoui nous dit que celui qui ne conseille pas le bien et ne dissuade pas du mal risque lui-même de tomber dans l'incertitude, dans le dilemme à faire la part entre le mal et le bien. Et pourquoi? Parce qu'en réalité, celui qui conseille, celui qui prêche, celui qui recommande le bien, s'adresse avant tout à lui-même. Consciemment ou pas, il émet des souhaits de perfection, se pose des questions. Le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: El mu'minu mir'atu akhi, le croyant est le miroir de son frère. On se voit à travers l'autre. Exprimer, c'est faire sortir. Prêcher, c'est s'exprimer ou exprimer, c'est se montrer, c'est se dévoiler. C'est dévoiler son intérieur, sa pensée, ses vœux, ses aspirations. C'est expulser ce qu'il y a en nous de questionnement, de souhait, de tendance à la perfection divine. Du coup, lorsqu'on prend conscience qu'en prêchant, qu'en conseillant, qu'en exhortant les gens au bien, en réalité, on s'adresse à soi-même, eh bien, on réalise qu'il vaut mieux écouter. Il vaut mieux faire silence. Et écouter. Écouter, ensuite faire des propositions si on en a. Si on en a, si on a l'inspiration, la réflexion. Et ne pas attendre que l'autre nous obéisse forcément. C'est le cercle. C'est l'écoute. La vérité, l'objectif, elle est au centre du cercle. On se pose dans l'écoute. Pour cela, c'est pour cela que Sidna Cheikh nous recommande de réciter Sourate l'Asr avant de commencer nos réunions. C'est pour cela que le Cheikh nous recommande dans nos débats, dans nos échanges, de réciter cette sourate. C'est pour être à l'écoute,
de l'autre, à l'écoute de soi-même en vérité. Alors, et pour conclure, quels sont les enseignements qu'on peut tirer de cet ouvrage du Cheikh Al-Alaoui? Des subtilités de son enseignement? Quel est le message de notre Cheikh radiallahu ta'ala anhu? Le Cheikh nous dit, directement ou indirectement, les êtres et les objets ne sont pas saisissables, sont insaisissables. Ils sont inscrits dans le temps. Ils sont corrompus, c'est-à-dire sont en pleine dégénérescence, instant après instant. Inna l'insana lafi khusr. Inna l'insana lafi khusr. Le shir nous apprend que le monde sensible est une illusion, car le vrai est toujours vrai. Le vrai est toujours vrai. Or, le monde est changeant seconde après seconde. On ne trouve pas la vérité dans la matière. On la trouve en sortant de la matière. Le shir nous apprend que nous ne sommes pas obligés de suivre la pente inexorable de la condition animale qui nous habite. L'ego, les plaisirs, la consommation. Comment en sortir? En nous débarrassant de l'idée que nous sommes notre corps, en nous débarrassant de l'identification à la forme et en apprenant à entrevoir, en apprenant à percevoir l'éternel derrière le temporel, en apprenant à percevoir l'éternel derrière le temporel, c'est ça le cheminement vers Dieu. Le Shir nous dit, l'ignorance de notre véritable essence est la cause de notre dégradation, de notre perdition. Inna l'insana lafi khusr. Apprenons donc à reconnaître Allah tabaraka wa ta'ala derrière chaque chose et nous voilà libérés de la souffrance. Car dès qu'on perçoit le vrai derrière les apparences, on perçoit l'éternité derrière le temps. On perçoit l'être derrière le devenir. On perçoit la vie derrière la mort. Apprenons à vivre ensemble, à nous conseiller mutuellement dans l'écoute, dans une véritable écoute, dans une écoute innocente et pure, pour que jaillisse la paix entre nous, pour connaître la paix avec l'Éternel, pour rentrer dans une paix éternelle. Je vous remercie. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.